3, 2, 1. Alors bonjour à toutes et toutes, ou rebonjour à celles et ceux qui étaient déjà parmi nous aujourd'hui dans le cadre de ce cycle de conférences dans le cadre de Cyclo Bordeaux 2023. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Comme vous le savez, nous allons terminer cette journée par une table ronde, une conférence un peu plus institutionnelle que technique, avec la présence de nombreux élus, comme vous allez pouvoir en juger dans un instant, qui vont échanger autour de la problématique de la sécheresse et du changement climatique, sujet d'actualité s'il en est bien sûr. Quel état des lieux sur les deux bassins hydrographiques de la région Nouvelle-Aquitaine? C'est ce que vous nous direz, mesdames, messieurs, que je vais nommer sans plus tarder pour vous inviter à me rejoindre sur cet espace sur lequel vous pourrez vous exprimer. Et pour commencer, j'invite Madame Sylvie Cassouscott, qui est présidente de la régie de l'eau Bordeaux Métropole, vice-présidente de cette même métropole. Madame Pascale Gault, qui est vice-présidente chargée de la protection de l'environnement et des espaces naturels sensibles au conseil départemental de Gironde. Madame Geneviève Lelanic, qui est présidente de Haut 47. Monsieur Mathieu Labrousse, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, délégué à l'eau, par ailleurs président d'une Fédération de pêche en Charente. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, monsieur Labrousse. Monsieur Philippe Janicot, qui est vice-président de Limoges Métropole. Monsieur Christophe Sueur, président de Haut-17, conseiller départemental de Charente-Maritime et maire de Saint-Pierre-d'Oléron. Monsieur Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, s'il n'est pas encore parmi nous, va nous rejoindre dans un instant. Il était pris par un autre engagement, mais il sera bien présent parmi nous. Et je voudrais maintenant saluer à distance deux autres participants que vous allez découvrir en vidéo dans un instant, à savoir monsieur le sénateur Gillet, sénateur de Gironde, qui est en visio avec nous et qui pourra participer et contribuer aux différents tours de table que je vous proposerai dans un instant. Et aussi et surtout, si je puis dire, nous avons l'honneur d'accueillir en visio également madame Marie-Hélène Aubert, qui est présidente du partenariat français sur l'eau et qui nous rejoint, et je l'en remercie, en direct de New York, où elle est présente dans le cadre de la conférence onusienne. Je ne sais pas si vous nous entendez, madame Aubert, vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement. Et c'est le cas pour nous aussi. Bonjour à vous et merci d'avoir bien voulu nous consacrer quelques minutes. Et si vous le voulez bien, pour éviter de vous mobiliser trop longtemps, je vais vous proposer de commencer, en quelque sorte, avant d'entrer dans le vif du sujet et du débat qui nous intéresse, pour vous demander quelques mots en guise d'actualité de cette conférence new-yorkaise et des problématiques. Quels sont les enjeux qui sont évoqués? Quels sont les grands objectifs de cette conférence à laquelle vous participez et vous contribuez? C'est une grande conférence onusienne qui se tient après 46 ans de silence des Nations Unies sur l'eau. Alors, non pas que l'eau ne soit pas traitée dans différents programmes des Nations Unies, au contraire, il l'est à l'OMS, à la FAO, au programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais c'est la première fois donc que cet événement mondial a lieu sous l'égide donc des Nations Unies et qui rassemble, je crois, d'après ce que j'ai lu, plusieurs milliers de participants venus du monde entier. Donc, les membres du partenariat français pour l'eau, qui rassemble aussi bien les établissements publics, les ministères, que des acteurs privés, des entreprises, des associations, tout le monde réuni. Nous sommes très nombreux ici, très mobilisés. Il y a beaucoup d'événements parallèles qui seront organisés. Et ce que nous attendons de cette conférence, c'est vraiment une évolution importante dans la gestion globale et mondiale de l'eau, notamment qu'il puisse y avoir des réunion intergouvernementale régulière chaque année sur cet enjeu majeur pour nous tous, qui est absolument essentiel au sens propre du terme, qu'on puisse enfin nommer un envoyé spécial pour l'eau. La France aussi soutient cette initiative. Et surtout qu'on accélère et qu'on multiplie les investissements pour l'eau dans toutes ses dimensions, aussi bien l'accès à l'eau potable et l'assainissement, mais aussi toutes les politiques intégrées liées au grand cycle de l'eau,
Et je suis volontairement devant, vous l'aurez remarqué, un panneau qui rassemble les 17 objectifs de développement durable. Et j'ai voulu signifier par là l'importance que cet agenda 2030 revêt pour nous et le cadre de notre action. On ne résoudra pas les questions de l'eau sans résoudre aussi les questions de l'alimentation, de la santé, de la place des femmes, de l'éducation, du développement économique. Tout est lié. Alors, comme vous le savez, Madame Aubert, merci beaucoup. Et effectivement, nous avions ce matin une première conférence consacrée aux partenariats sur l'eau et les partenariats notamment avec d'autres pays. Nous avions parmi nous la présence d'un de vos conseillers, M. Guettier, qui nous a beaucoup parlé de ses objectifs de développement durable et du rôle très transversal de l'eau à travers ces 17 objectifs. Pour terminer avec vous, avant de vous libérer, est-ce qu'il y a des objectifs qui semblent prioritaires aux yeux des conférenciers et aux yeux des participants? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont encore plus importants que d'autres, si je puis dire? Parce que 17, ça peut paraître beaucoup, mais on a bien compris que l'eau avait affaire avec chacun d'entre eux. Alors, la question de l'accès à l'eau reste évidemment majeure. C'est une évidence de le rappeler, mais il faut encore le marteler. Sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a aucune activité possible humaine, il n'y a pas d'être vivant possible, il n'y a pas de planète, de vie sur la planète possible. Donc il faut bien répéter ça. Donc l'enjeu majeur, c'est vraiment l'accès à l'eau de l'ensemble de l'humanité et on est encore très très loin du compte. Il y a encore plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, ni aux sanitaires, ni à l'assainissement, encore plus. Et il faut absolument faire des investissements massifs dans ce domaine, mais qui soit adapté aussi au contexte culturel, social, économique de chaque territoire, de chaque région de la planète. C'est très important aussi de décliner territorialement, par bassin, ces objectifs. Merci beaucoup, Madame Aubert. Je ne sais pas si vous les entendrez, mais je vais proposer aux participants présents qui vous ont entendu et écouté avec beaucoup d'attention de bien vouloir vous remercier par quelques applaudissements pour votre présence et pour votre engagement. Merci beaucoup. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Et je suis très heureuse qu'on puisse établir ce lien entre la gestion globale de l'eau et la gestion locale, parce que l'eau n'a pas de frontières, comme le climat. Ce sont des questions à la fois globales et territoriales qu'il nous faut résoudre dans une dynamique collective et innovante. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous aussi. Et bon cyclo. Merci beaucoup, Madame Aubert. Merci pour ce mot de la fin. Merci, qui est une parfaite transition avec ce qui va nous occuper maintenant après l'échelle mondiale. On va revenir en Europe, en France et plus particulièrement sur les bassins qui nous concernent ici en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce sera enfoncer une porte ouverte que de rappeler que certains effets du changement climatique sont déjà observés dans de nombreuses régions du globe, on le sait tous, et les climatologues en prévoient d'autres avec un degré de certitude assez acceptable. Et cependant, si des solutions existent, elles doivent prendre en compte, nous le savons également, les spécificités de chaque territoire, dont un bon nombre sont impactés par des épisodes de sécheresse, sujet d'actualité que nous connaissons tous à l'échelle non seulement des bassins de Nouvelle-Aquitaine, mais à l'échelle de la France entière cette année. Alors nous verrons au travers de vos témoignages diversifiés comment les acteurs du bassin Adour-Garonne que vous êtes ont vécu l'épisode inédit de sécheresse de l'été 2022, quelles ont été les mesures prises en urgence, peut-être d'abord pour pallier le manque d'eau dans les différents cours d'eau, dans les nappes, dans les zones humides. Et fort de ce constat, il sera important de travailler à différentes échelles du temps, j'imagine, à la fois pour anticiper les difficultés de l'année 2023, mais également pour s'adapter aux nouvelles réalités du climat en 2050 et au-delà, tel qu'on nous l'annonce. Alors nous ferons le point avec vous sur les différentes feuilles de route de gestion quantitative des sous-bassins, avec des exemples d'actions engagées sur les territoires au niveau du soutien d'étiage, au niveau des solutions fondées sur la nature, ou encore sur la solidarité interbassin. Alors autant de stratégies de gestion de l'eau vers un objectif unique et commun à nous tous ici, s'adapter et préserver notre précieux bien commun et premier aliment, comme j'ai coutume de le rappeler très souvent, qu'est l'eau. Je vais vous proposer pour commencer un premier tour de table pour faire une sorte d'état des lieux de la situation et du contexte de chacun d'entre vous sur vos territoires respectifs. Et puis je vais vous proposer pour se faire une clé d'entrée géographique. On va commencer par Bordeaux et je vais vous proposer d'étendre notre analyse à l'ensemble de la région ensuite. Alors Madame
Cassous-Scott, je vous laisse l'honneur de commencer sur quelques éléments très rapidement sur les préoccupations bordelaises pour commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bordeaux Métropole. Alors, nous sommes effectivement là sur un bassin qui ne subit pas la sécheresse comme bien d'autres contrées, que ce soit le Var ou la Corrèze. Hein, on n'en est pas là puisque nous, en Gironde, nous avons la chance d'avoir des nappes profondes qui nous permettent d'avoir une ressource, mais une ressource malgré tout qui aujourd'hui nous préoccupe. Hein, puisque aujourd'hui, depuis quelques années déjà, hein, nous sommes vraiment soucieux de la lente régénération de nos nappes profondes, notamment l'Éocène. Et donc, Bordeaux Métropole se trouve aujourd'hui toujours confronté à cette préservation en allant plutôt puiser notre eau dans les nappes qui sont miocènes, l'oligocène, donc un petit peu plus proches de nous. Et nous faisons tout depuis quelques années pour éviter d'aller un peu trop profondément. Pour autant, nous sommes dans un territoire urbain, comme vous le savez, qui est attractif. Très attractif, hein, très c'est attractif, moins qu'on puisse dire. Hein, comme la Gironde. Hein. Nous partageons d'ailleurs les 20 000 habitants qui arrivent chaque année dans le département de la Gironde. Ouais. Il y en a donc 10 000 qui arrivent chaque année sur la métropole. Donc là, on est effectivement à une difficile équation de pouvoir accueillir ces 10 000 habitants avec une ressource qui n'est pas inépuisable. Mmh. Et donc des projets qui sont à venir, mais ça j'en parlerai, afin de pouvoir effectivement ne pas trop puiser dans notre éocène. Ce que nous constatons aussi, c'est malgré tous les efforts que nous avons faits depuis des années pour économiser l'eau, et nous sommes quand même plutôt des bons élèves, hein, puisque nous sommes sur une consommation moyenne de 50 mètres cubes par an par habitant, ce qui est quand même une très très bonne moyenne. Mm-hmm. Depuis 2017, hein, on constate une augmentation. Et donc nous avons pourtant fait énormément d'efforts d'économie dans nos usages. Et aujourd'hui, depuis 2017, donc, cette augmentation qui nous préoccupe, hein, et qui nous amène donc à réfléchir et sur l'avenir, avec bien évidemment, même si je l'ai dit dans mon introduction, nous restons privilégiés et pour autant extrêmement préoccupés par la sécheresse, par le dérèglement climatique que nous voyons bien évidemment aujourd'hui à nos portes, avec l'été qui vient. Jusqu'à maintenant, on a vécu des étés où on a pu délivrer l'eau. Cet été sera certainement, et on le sait, assurément plus difficile que les années précédentes. Merci beaucoup, Madame Cassous-Scott. Alors, comme je vous le proposais, Madame Gault, on va élargir à la Gironde. Et tout de suite après vous, j'inviterai le sénateur Gillet, sénateur de Gironde également, à nous rejoindre. Et il est en visio avec nous et nous le découvrirons dans un instant à l'écran. Je vous laisse nous faire votre propre état des lieux aussi à l'échelle du département, Madame Gault. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, au niveau du département, nos besoins en eau, à partir de l'année 2021, ça sera des chiffres à réactualiser, nous avons besoin de 320 millions mètres cubes d'eau pour la population de Girondine, bien sûr, sur notre département. Et comme le disait Sylvie, nous avons quand même de la chance d'avoir des nappes profondes et nous prélevons 217 millions de mètres cubes, là aussi en 2021. Donc nous arrivons encore à équilibrer les besoins et notre ressource. Mm-hmm. Mais tout ça ne va pas durer éternellement. Mm-hmm. Et dans les politiques départementales, j'ai tendance à dire, c'est comme le vin, il faut consommer avec modération. Et nous allons devoir consommer avec modération de plus en plus. C'est la raison pour laquelle, pour notre part, nous sommes assez sensibilisés et nous n'avons pas attendu forcément la sécheresse et le réchauffement climatique pour agir, puisque depuis plusieurs décennies maintenant, le département est engagé sur de la surveillance et de la protection de la ressource à travers, bien sûr, les différents sages qui sont en cours, notamment le SAGE nappe profonde avec le SMEGREG, et surtout, et c'est là où nous avons une marge de progression
mais nous allons y revenir, sur l'accompagnement des collectivités et de plusieurs niveaux de collectivités pour, au niveau des prélèvements, au niveau de la consommation et au niveau de l'assainissement. Je crois que nous avons un gros, gros travail à mener. Nous le faisons, j'y reviendrai forcément tout à l'heure, mais c'est sur cet accompagnement des collectivités territoriales avec nos partenaires, hein, bien entendu. Mais je crois qu'il va falloir que nous passions à une échelle d'institutions qui étaient déjà sensibilisées à poursuivre et à étendre ce travail de sensibilisation qui devient primordial. Et j'ai bien aimé l'intervention de notre auditrice là au début sur l'aspect local de la question de l'eau. Nous avons bien sûr des concepts généraux, mondiaux et nationaux, mais il faut que nous zoomions encore plus d'une manière plus approfondie sur le local et voire même sur les petites communes, puisque là, il y a un besoin d'accompagnement très fort. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gault. Nous allons continuer avec vous, Monsieur Gillet. Vous êtes parmi nous, je crois que vous nous entendez depuis tout à l'heure, en tout cas j'espère. J'attends que nous vous découvrions à l'écran pour pouvoir vous saluer. Voilà qui est fait. Nous vous voyons très bien et il me semble que vous nous entendez. Nous allons donc vous proposer ce même exercice, à savoir votre vision de l'état des lieux, du contexte, de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et évidemment en particulier pour le département de la Gironde, mais également avec votre casquette d'élu et de législateur, peut-être débordé un petit peu du cadre purement régional. Oui, je vous remercie. Je voudrais vous saluer, vous toutes et vous tous. Je retrouve avec plaisir des collègues également en tant qu'intervenant. Je ne voudrais pas rafraîchir l'atmosphère, mais je travaille à l'heure actuelle en tant que rapporteur d'une mission d'information au Sénat. Je suis à Paris à l'heure actuelle. Et malheureusement, tous les constats aujourd'hui sont quand même particulièrement inquiétants sur le plan national, plus particulièrement sur toute la région sud-ouest et sud-est. On est sur des déficits pluviométriques vraiment importants, à tel point qu'on a connu pratiquement des soutiens d'étiage en période hivernale, ce que nous avions rarement connu. Et pour les observateurs, quand vous remontez un peu la Garonne, déjà sur le sud Gironde, mais à partir du Lot-et-Garonne, vous avez pu voir que nous avions une Garonne particulièrement basse en fin d'année et puis en ce début d'année. Ce ne sont pas les pluies que nous avons connues il y a à peu près 3 semaines qui aujourd'hui vont véritablement rétablir la situation. Donc la situation est particulièrement inquiétante. Alors certes, nous avons la chance en Gironde d'avoir des nappes profondes, mais à l'heure actuelle, sur les nappes superficielles, elles sont déjà directement impactées. Et pour illustrer, il suffit de regarder d'un peu plus près. Sur Ostens, le secteur qui a été touché particulièrement par les incendies hors normes, et vous savez qu'aujourd'hui, le feu continue de couver sous le sol du fait de la lignite. Et aujourd'hui, les pluies n'ont pas été suffisamment intenses pour arriver à arrêter donc cette combustion sous les sols, et il y a eu déjà des reprises de feu qui doivent nous inquiéter. Donc la situation est vraiment particulièrement préoccupante. Et déjà peut-être vous adresser quelques messages qui me semblent importants. Aujourd'hui, et j'ai tenu à participer à votre manifestation, mais il faut politiser le sujet de l'eau, politiser au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'incarner dans toutes nos politiques publiques, et il faut que l'ensemble des usagers prennent conscience de ces enjeux. Il faut que nous, on essaye d'y participer à quelques niveaux, que soit notre niveau véritablement d'intervention. C'est pour ça que, personnellement, je milite pour qu'on planifie aussi de manière encore plus efficace ces politiques. Il faut renforcer la gouvernance de bassin, et donc Guillaume Choisy, bien sûr, sans doute adhérera bien sûr à ces propos. La gouvernance de bassin est une notion importante. Mais il faut par subsidiarité faire en sorte que cette gouvernance, par les EPTB, les syndicats d'eau, puisse se mettre en place. Et il faut aussi qu'aujourd'hui, on arrive dans cette planification à inscrire les politiques de l'eau dans les SCOT, les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, et aussi dans les PLU et les PLUI. Parce que la gestion de l'eau, en fait, on parle du grand cycle et de petit cycle. De plus en plus aujourd'hui, c'est intimement lié. Et il faut maintenant, pour reprendre les propos de Pascal Gault, accompagner les communes à gérer aussi le fil de l'eau et faire en sorte que, par exemple, sur le pluvial, peut-être qu'on ait une autre gestion du pluvial pour, par exemple, reconstituer des zones humides, faire en sorte d'améliorer le stockage aussi naturel.
parce que cet enjeu, eh bien, en fait, nous devons le partager toutes et tous, à quelque niveau que soient nos usages et notre vie. Merci, monsieur Gillet. Nous y reviendrons dans un deuxième temps. Comme vous l'aurez compris, je proposerai aux uns et aux autres de revenir sur les solutions et sur les différentes politiques des uns et des autres, y compris dans le noble sens du terme, comme vous l'avez rappelé. Et non, en tout cas, nous venons de bien comprendre que, à travers vos propos, vous êtes un expert du sujet, vous connaissez bien l'eau et de longue date. Donc nous vous écouterons aussi avec attention sur cette deuxième partie. Je vous propose de nous transporter dans un premier département limitrophe de la Gironde pour aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin chez les voisins, pour demander à monsieur Sueur quelle est la situation en Charente-Maritime. Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je remercie donc de cette question. Alors, le département de la Charente-Maritime n'est pas comme le département de la Gironde. On a bien sûr un point commun, c'est l'estuaire de la Gironde qui fait notre séparation. Et on a une approche donc sur notre état et sur nos ressources un petit peu différente, puisque nous avons 70% de nos ressources qui sont souterraines et 30% donc d'eau qui viennent d'eau de surface et qui déterminent nos besoins en termes de ressources. On dépend de deux départements pour les eaux de surface, la Vienne en particulier et le département de la Charente. Alors évidemment, on subit aussi des tensions, comme tout le monde. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur, bien sûr, l'état de notre pluviométrie, avec un hiver donc plutôt sec, on peut se poser des questions sur notre avenir, en particulier sur l'été qui arrive. Mais on a des situations de nappes souterraines qui sont juste en dessous de la moyenne. Donc on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant, mais c'est plutôt rassurant. Et nos nappes de surface et notre eau de surface ne nous permet pas de pouvoir... Je veux dire, envisager un avenir serein, puisque sur les remplissages de la Charente derrière ces barrages, on n'est pas à 100% comme l'année dernière, mais on est seulement à 60%, ce qui n'est pas, bien sûr, très rassurant. Alors, aujourd'hui, on subit, comme tout le monde, une tension sur nos ressources en eau, bien sûr, sur la quantité de l'eau. Pour nous, ce n'est pas les mêmes volumes que pour la Gironde. Notre consommation annuelle, donc en termes de millions de mètres cubes, on est plus proche des 100 millions de mètres cubes pour l'eau. Et on a à peu près une répartition égale entre le monde agricole et puis bien sûr nos consommateurs que sont nos abonnés pour les besoins en eau. La différence et la difficulté de notre département de la Charente-Maritime, c'est qu'en étant proche de l'eau de mer, on a aussi une population estivale qui vient, et qui vient en grand nombre, et tant mieux, puisque c'est bien sûr un bonheur de les recevoir, mais qui nécessite bien sûr une prudence certaine sur l'alimentation en eau, sur nos interconnexions sur notre réseau. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons un syndicat départemental qui existe depuis plus de 70 ans. Mmh. On a fêté d'ailleurs l'année dernière les 70 ans du syndicat au 17. Et ça a permis, avec une volonté politique très forte, et je rebondis sur ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la nécessité des élus locaux et en particulier la proximité des élus dans leur force politique et dans leur anticipation, de mettre en place toute une interconnexion de nos réseaux entre le réseau intérieur et le réseau littoral, de façon à pouvoir desservir ces besoins de la population avec une interconnexion, avec un suivi 24 heures sur 24 de nos équipes, bien sûr de O17 et de notre régie qui nous permet de le faire. Il faut savoir que sur la population, on est quand même sur des multiples en frange littorale multipliés par 10 ou par 15 par rapport à nos populations. La commune dont je suis maire, on passe à peu près de 7000 habitants à presque 70 000 en plein été uniquement sur une commune. Ça vous donne le besoin et bien sûr la puissance. Donc on travaille là-dessus. Et en même temps, on travaille sur le volet de nos forages et de nos ressources souterraines, sachant que quand on est sur un département avec une vocation agricole, on doit aussi faire attention à la ressource qui, avec bien sûr des pratiques qui ont été faites autrefois, on dépend bien sûr d'une ressource qui peut être un peu polluée, qui peut être un peu dégradée, et ça nécessite de faire très attention et de pouvoir avoir un regard un peu plus prudent sur ces besoins en eau, sur notre ressource. Merci beaucoup, monsieur Sueur. Je vous propose de continuer ce tour d'horizon des situations propres à chaque département avec madame Lelanic pour le Lot-et-Garonne, pour là aussi nous faire part de votre vision, de vos préoccupations, de la situation et des conséquences du changement climatique déjà observé sur la gestion de l'eau potable chez O47 que vous présidez. Oui, bonjour à tous. Nous avons une problématique différente d'O17. Nous avons moins de touristes. Mais nous sommes très agricoles, très rurales, donc c'est vraiment le côté agricole qui prend. Alors il y a une répartition qui s'est faite naturellement, je crois. Les eaux de surface restent à l'agriculture,
L'eau potable, nous avons 75% de nos prélèvements en eau en nappe très profonde. On est à 600 mètres de forage en moyenne. Mmh. Donc, on a 75% de notre ressource. Et après, c'est surtout sur le Lot où, avec les BF qu'il y a, on assure le reste. On ne parle pas trop de la baïse parce que réellement, on a des problèmes justement liés à l'agriculture où on est obligé de mettre des traitements. Mais après, on a un peu la même position qu'au 17 où on a un syndicat qui, sous la forme... Bon, a commencé il y a 40 ans. Donc, on a des interconnexions, des maillages, on a une habitude de travailler ensemble. Et l'an dernier, on s'est rendu compte que c'était payant, surtout qu'on était près des délégataires où on a fait énormément de travaux de mise à niveau, où le réseau a tenu. Et même si on a un moratoire, on a réussi à le respecter, ou à peu près, parce qu'au début d'année, était quand même moins, on a vendu moins d'eau. Et sur l'ensemble de l'année, on s'est retrouvé avec pas plus de consommation qu'une année normale. Donc les abonnés, les utilisateurs ont fait très attention et ont été vigilants surtout sur l'usage de l'eau potable qui a été faite en Lot-et-Garonne. C'est quand même quelque chose à noter parce qu'on a été sérieusement, on a été très surpris. Merci beaucoup Madame Lelannic. Je vous propose maintenant d'entendre Monsieur Janicot. On continue et on part un petit peu plus au nord pour ce qui concerne la métropole de Limoges dont vous êtes président Monsieur Janicot. Au moment où j'accueille Monsieur Choisy qui vient de nous rejoindre comme je vous l'avais indiqué, qui a été pris par un autre engagement et qui va donc pouvoir nous rejoindre sur cette estrade. Et ça tombe très bien Monsieur Choisy puisque nous étions convenus d'entendre les élus de chaque territoire avant de vous proposer éventuellement de rebondir sur la situation globale au niveau des deux bassins qui concernent la région. Et c'est ce que je vous inviterai à faire après avoir entendu M. Janicot et tout de suite après M. Labrousse. M. Janicot, je vous laisse vous également faire les premiers constats ou les facteurs qui ont poussé Limoges Métropole à s'interroger sur la gestion du cycle de l'eau comme vous le faites. Oui, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est intéressant par rapport déjà aux personnes qui sont intervenues précédemment, c'est qu'on voit que selon les territoires, les sujets sont un petit peu divergents selon le lieu de vie. Sur le territoire Limoges Métropole, nous on est essentiellement concernés par des eaux souterraines, donc des eaux on va dire superficielles et peu profondes. Donc il y a un avantage, c'est que quand on a eu des pluies, comme il y a eu il y a une quinzaine de jours, ben, nos nappes sont vite remontées, on a vu les cours d'eau qui étaient bien pleins. Par contre évidemment quand on a des périodes de non-pluie, comme là, ça repart, évidemment, tout de suite, ça redescend aussi sensiblement. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de réserve d'eau de 60%. Donc même avec la pluie qu'il y a eu à 15 jours, on a gagné quand même 10%. Ça montre le côté sensible de réaction de nos nappes. Donc ça, c'est le côté positif. Après, on ne va pas dramatiser. Aujourd'hui, on est dans une situation de gestion, de vigilance. Je pense que c'est le mot qu'il faut vraiment mettre en avant. Et cette vigilance, nous, on l'a traduit par Limoges Métropole et par le président Limoges Métropole, par être une collectivité fédératrice par rapport à toutes les personnes sur le territoire de Limoges Métropole. On a la chance d'avoir un cluster historique sur le territoire, en l'occurrence l'OIO, des métiers de l'eau et l'université qui travaillent sur ce sujet depuis bien longtemps. Et toutes ces formations, on voit que sur le territoire national ou même international, on a beaucoup de personnes qui sont formées, qui sont issues du territoire limougeau. Il y a aujourd'hui un centre technique de l'eau avec qui on travaille en partenariat de manière très importante, de manière à tester, innover, expérimenter. Je pense que tout à l'heure, le sénateur parlait de politique... sur ce thème, nous, on a pris la stratégie d'une politique active, même proactive. Et je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, on l'a. Maintenant, il faut démocratiser ce sujet de manière à faire prendre conscience, que ce soit pour les usages de la population, que ce soit pour les usages économiques. C'est vraiment important de prendre conscience que cette eau que l'on a en quantité, à terme, pourrait l'être beaucoup moins. Donc le principe est que nous, notre territoire, on souhaite qu'il soit attractif. Et pour ça, on doit utiliser de manière différente l'eau pour en faire bénéficier plus. Voilà, c'est une stratégie importante de gestion de cette eau. Et là, on ne néglige rien sur les stratégies. On ne délaisse rien du tout. On ne peut négliger aucun sujet. Tout ce qui peut être bénéfique pour cette ressource, on ne doit pas la négliger et surtout de se traduire par des actions.
Merci beaucoup, Monsieur Janicot. Alors, nous y reviendrons, vous y reviendrez, hein, si vous le souhaitez, pour détailler un petit peu cette politique que vous menez au niveau de Limoges Métropole, qui a déjà témoigné aujourd'hui dans une autre conférence, notamment avec la problématique, par exemple, de l'énergie. Vous êtes impliqué dans beaucoup de sujets innovants. Monsieur Labrousse, comme je l'indiquais, je vous propose de terminer, avant d'entendre M. Choisy, ce tour d'horizon des élus quant aux situations constatées. Alors, vous êtes conseiller régional, élu délégué à l'eau pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et comme vous aimez à le rappeler, vous êtes aussi président d'une fédération de pêche. J'allais dire, donc, vous êtes observateur privilégié, mais je ne sais pas si c'est le terme qui convient compte tenu de la situation que nous vivons. Mais je vous laisse nous expliquer tout ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on est au bord de l'eau, on devient une sentinelle et on est, entre guillemets, les premiers à voir les effets du manque d'eau. Je laisserai Guillaume Choisy tout à l'heure nous dire les assecs qu'il y a pu avoir sur l'ensemble du bassin. Moi, je vais simplement rebondir par rapport à tout ce qui a été dit, à commencer par votre introduction. L'eau, c'est la vie. Et aujourd'hui, la sobriété, c'est ce qui va nous permettre de continuer à vivre. Voilà. Donc, si vous voulez, on a en Nouvelle-Aquitaine, et vous l'avez entendu, une multitude d'accès à l'eau, de stockage. On peut avoir du karst dans les systèmes calcaires. On est soit sur le socle granitique, comme on l'a vu en Haute-Vienne. Vous avez effectivement des nappes profondes. Tout ça nous dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas traiter l'eau sur la Nouvelle-Aquitaine partout de la même façon. De la même manière. Donc le stockage est différent. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur la qualité des eaux. J'entendais tout à l'heure Christophe qui nous parlait de la Charente-Maritime. Il y a des estivants. Il y a peut-être un peu plus d'estivants qu'avant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les plus 1 degré qu'on entend, c'est surtout une consommation qui va augmenter avec la même population. Parce que les gens consomment davantage d'eau. Et donc sur la Charente-Maritime, on l'a vu, on a eu une réunion, le PTB Charente, il n'y a pas longtemps. Avec le réchauffement climatique, on va forcément consommer plus d'eau pour se maintenir en vie. Donc la première des choses, c'est bien la sobriété pour tout le monde. Je reviens sur la Charente-Maritime, encore qui est un bon exemple. Au niveau de la qualité de l'eau, on parlait de l'eau en surface, de l'eau qui nous permettait de diluer cette eau que l'on prend dans les nappes superficielles, les activités humaines ont un impact. Et donc, l'eau qui est dans nos sols est plus ou moins polluée et donc potable. Et on se sert de l'eau de surface pour diluer cette eau qu'on vient chercher en profondeur. Et donc, vous voyez, cette eau de surface, elle a un intérêt, c'est pour nous, la distribution de l'eau potable. Donc, il ne faut pas négliger cette eau de surface. Quand on se dit on a les eaux en profondeur, on peut capter, on en a en quantité. N'oublions pas que des fois, l'impact des activités humaines ne nous permet pas d'utiliser cette eau directement. Donc l'eau de surface nous permet de diluer et de faire de l'eau potable. Pas oublier ça. Ensuite, vous dire que la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, elle est engagée sur la réduction de l'utilisation de cette eau potable dans les activités avec la REUT, la réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc on accompagne, on a un appel à projet d'1,3 million cette année sur la REUT, donc n'hésitez pas à candidater. On a sur la protection des champs captants les programmes ressources par rapport à l'eau potable. Donc là aussi, je parlais d'activités humaines, on accompagne les acteurs du territoire. Vous l'avez dit tout à l'heure avec les EPTB, avec les chambres d'agriculture, on est là en transmission d'informations et de politique, puisque je l'entendais tout à l'heure, c'est bien une politique, on est là pour préserver l'eau potable. Donc vous voyez, on a tout un panel d'activités à la région pour vous accompagner. Et puis un dernier appel à projet qu'on lance de 4 millions d'euros sur la renaturation des zones humides. Quand on entend quantité d'eau, c'est aussi ralentir cette eau qui s'en va des fois à la mer. On a tendance à oublier que nos sols, certains sols, pas tous, mais certains sols permettent la rétention d'eau. Et donc renaturer les zones humides, permettre de remettre cette eau dans le milieu, dans son milieu, pour accompagner ensuite les cours d'eau, parce que c'était un peu l'introduction, pour accompagner ce soutien aux cours d'eau. Merci beaucoup, Monsieur Labrousse. Alors, vous avez déjà un petit peu anticipé justement sur le chapitre des solutions sur lesquelles nous reviendrons, mais c'est très intéressant en guise de transition et pour permettre une transition aussi très naturelle avec l'intervention de Monsieur Choisy. Bienvenue, Monsieur Choisy, parmi nous. Après ce tour d'horizon des élus en ce qui concerne la situation, le contexte, les enjeux, aussi bien pour ce qui concerne, selon les pas de temps auxquels on s'intéresse, la période de sécheresse, l'anticipation de la sécheresse 2023 qui s'annonce, et le changement climatique en marche, si je puis dire. J'imagine que vous corroborez, vous approuvez tout ce qui vient d'être dit, mais je vais vous proposer, en guise de synthèse, de rappeler quels sont les grands enjeux, les enjeux principaux pour ce qui concerne le bassin dont vous dirigez l'agence. D'abord, M. Cato, merci
et bravo aux organisateurs de perdurer dans l'organisation de ce salon. C'est des temps importants pour regarder l'innovation, l'expertise, pouvoir aussi se projeter pour chacun des acteurs que vous êtes. M'excuser aussi du retard, j'étais malheureusement pris à Toulouse avec la présidente de la région qui faisait aussi souvent le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, il y a beaucoup de colloques, donc on essaie de se partager. Redire aussi qu'autour de la table, et je connais les élus ici présents, c'est des élus sur lesquels il y a des structures qui ont fait, que ce soit la métropole de Toulouse, que ce soit le département de la Gironde, que ce soit... De Bordeaux, alors, 40... De Bordeaux, mais de Bordeaux, vous arrivez de Toulouse, oui, mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. Nous avions compris. Au 47 pour le département du Lot-et-Garonne, que ce soit également le département de Charente-Maritime avec O17. Tout ça, c'est des structures effectivement qui sont organisées, qui vont permettre, on n'est rien s'il n'y a effectivement pas d'engagement des acteurs locaux, et que ce soit les EPCI ou les collectivités, et parfois les départements sont encore nécessaires, et c'est important de le rappeler, parce que j'ai lu un rapport de la Cour des comptes il y a quelques jours qui s'interrogeait sur la gouvernance de l'eau, mais on a besoin des acteurs. C'est les acteurs locaux qui feront qu'effectivement on sera en capacité de mener les projets. Et sur ce qu'on appelle parfois l'enjeu de l'eau potable, l'assainissement, il y a encore des choses, il y a encore des enjeux devant nous, même si on a fait beaucoup déjà sur le territoire, et je reconnais, mais il y a encore des territoires ruraux parfois moins organisés, qui ont reconnu et qui ont eu des difficultés, peut-être plus que les structures qui sont ici autour de la table, et je ne minimise pas, je sais qu'il y en a que depuis des années qui luttent effectivement pour préserver la qualité, et vous en être. Sur l'enjeu effectivement aussi de l'adaptation au changement climatique, on a aussi travaillé avec les régions et avec la région Nouvelle-Aquitaine en particulier pour sécuriser effectivement et commencer à anticiper cet enjeu-là. L'enjeu du changement climatique, c'est quoi ? C'est dans le sud, malheureusement, et c'est pas vrai sur le reste du territoire en France, mais sur le sud, et pour nous, l'ensemble du bassin d'Eure-Garonne est concerné, c'est quand même moins de précipitations. Il va pas moins pleuvoir dans le monde, mais pour certains territoires comme les nôtres, c'est moins 20 à moins 30%. Il y a deux jours, le rapport du GIEC a confirmé cela. Ce n'est pas sans incidence. Dans une période où les précipitations vont être concentrées sur quelques mois de l'année, principalement en hiver, et avec des longues périodes d'assèche, à l'image de ce qu'on a pu connaître en 2022. Donc, c'est des changements dans la gestion de l'eau. Effectivement, c'est un des effets, c'est aussi une augmentation de la température. Et la première difficulté qu'on a, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité d'eau, avec des températures qui se réchauffent et qui dégradent en qualité, même dans des endroits de montagne qu'on n'avait jamais connus de difficultés ni qualitatives ni quantitatives. On les a connus en 2022, dû à une augmentation notamment de la température. Et en 2022, c'est quoi ? C'est l'image de ce qu'on attend en 2050, c'est-à-dire une évaporation plus importante qui entraîne des débits beaucoup plus faibles. On a actuellement un débit sur certaines rivières entre moins 50 et 5 fois inférieur à la moyenne normale ou habituelle des rivières. Donc c'est des débits dégradés, c'est un moindre remplissage des nappes, c'est effectivement un enneigement très faible. Il a neigé un petit peu il y a quelques semaines, mais désormais il n'y a plus de neige dans les Pyrénées. Tout ça, c'est des phénomènes effectivement qui s'accélèrent avec le changement climatique. Et en 2022, ça a été quoi sur le bassin d'Eure-Garonne ? C'est 50% des rivières en ASEC. C'est sur les 4500, 5000 collectivités qui gèrent l'eau, c'est 450 qui ont connu des difficultés. Alors heureusement, pour la plupart, ça ne s'est pas vu, parce que les collectivités, vous avez déjà anticipé ça pour la plupart du temps. C'est vrai sur vos collectivités, je pense qu'il n'y a pas eu de difficultés d'eau potable parce qu'elles sont organisées et qu'il y avait de l'interconnexion. Donc la plupart du temps, les interconnexions étaient en marche et la solidarité entre territoires a fonctionné. Mais il y a des territoires où on n'avait pas d'interconnexion, pas assez. C'est le cas notamment sur à peu près la moitié, 250 collectivités, sur lesquelles, principalement en zone rurale et en montagne, on va devoir réinvestir sur des interconnexions pour faire sécuriser cette eau potable. Et puis parfois, on aura aussi des enjeux qualitatifs. Il n'y a pas eu que des enjeux quantitatifs sur ces territoires-là. Voilà un petit peu l'enjeu. Et puis on y viendra peut-être plus tout à l'heure. C'est un enjeu aussi d'aménagement du territoire, l'eau, aujourd'hui. Donc ce n'est pas les acteurs de l'eau qui vont résoudre le problème. L'enjeu, il est aussi économique. Et je vois de plus en plus de chefs d'entreprise, d'acteurs du monde économique s'intéresser à l'eau, pas que les agriculteurs, parce que c'est une souveraineté. Et puisque c'est la journée mondiale de l'eau, et je sais que vous avez eu Marie-Hélène Aubert tout à l'heure tout en à fait, direct. Absolument. Voilà, et on a un enjeu assez fort. C'est aujourd'hui, notamment, ici, sur un territoire rural, c'est la souveraineté alimentaire. Par exemple, sur la bio, et je sais que c'est cher à un certain nombre d'élus ici, prenons les haricots verts, par exemple. Aujourd'hui, 55% de la production consommée d'haricots verts sur le territoire, elle arrive d'Afrique, principalement du Maroc et principalement et du Burkina Faso. Burkina Faso. Ah, d'accord. C'est ça. Et donc, ça pose des questions. C'est dans ces pays-là, aujourd'hui, on est à un habitant sur trois qui a accès à l'eau potable.
et 1 sur 2 à l'assainissement. Donc, est-ce que c'est ce modèle de développement-là qu'on veut, ou est-ce qu'on veut sécuriser effectivement l'eau ? Pour sécuriser l'eau, il va falloir travailler sur des multifacteurs. Est-ce que la solution du stockage est la seule solution et l'unique solution ? C'est une des solutions. Et on y reviendra sur les solutions tout à l'heure, mais ce n'est pas l'unique solution. Mais en tout cas, l'enjeu qui est derrière nous, c'est comment on a un territoire qui a une certaine souveraineté alimentaire, touristique, comment on arrive effectivement à mieux travailler ensemble. Et ça va nécessiter un dialogue important entre les acteurs, de se mettre d'accord sur un diagnostic et se mettre d'accord sur des perspectives. On a Dour-Garonne, ça a été à la demande du président de bassin Alain Rousset, qui est aussi président de cette région-là, et les élus ont joué le jeu, on a travaillé par bassin, c'est-à-dire que chaque sous-bassin aujourd'hui a un plan à 2 ans et un plan effectivement sur 10 ans, mais on y reviendra dans les mix des solutions tout à l'heure. Merci beaucoup Monsieur Choisy pour ces éléments de contexte, de décor si je puis dire, et vous faites bien d'ailleurs au-delà des problématiques agricoles ou des problématiques domestiques dont on a parlé à propos de la ressource en eau, de rappeler la contrainte économique aussi dans l'eau industrielle, et puis notamment avec l'importance de l'agroalimentaire par exemple dans votre bassin. Du coup Madame Lelannic, par exemple, je vous propose de reprendre le micro pour du coup engager ce chapitre du catalogue des mesures et des solutions. Alors quelles mesures justement envisagez-vous de prendre ou avez-vous déjà prises face à d'éventuelles pénuries en fonction des ressources chez Eau 47? Déjà, avec l'aide de l'Agence de l'eau, on est en train de faire le schéma ressources sur le département du Lot-et-Garonne avec toutes les collectivités. Eau 47, c'est-à-dire 260 communes, l'agglo d'Agen et 2 autres syndicats. On va faire un état des lieux et voir si on trouve des propositions. Honnêtement, c'est pas facile. C'est vrai que, par contre, après, on est en train de s'occuper de chaque fois qu'une collectivité fait un PLU ou un PLUI, systématiquement, on est concerné. Les collectivités, quand ils ont besoin de quelque chose, quand dans les zones d'activité, on leur demande ce qu'ils veulent faire avec leur projet. Parce que si c'est un projet où il n'y a qu'un hangar de stockage, il n'y a pas besoin d'eau. Mais si c'est un projet agroalimentaire, la différence est énorme entre les besoins. Donc on sensibilise nos élus à ce genre de démarche. C'est déjà ça. On est en train d'être vigilants aussi sur les activités touristiques. On n'en a pas beaucoup en Lot-et-Garonne, mais on va faire en sorte qu'ils se placent dans des endroits où il y a de l'eau déjà. Parce qu'on se retrouve avec des endroits très touristiques où il n'y a qu'une arrivée d'eau. Le jour où c'est arrivé un 15 août, la pompe est tombée en panne. Heureusement que le délégataire était là, mais en fait, il n'y avait pas d'alternative. Nous, pour principe, ce qu'on a, comme on est tout interconnecté, toutes les collectivités ont deux accès à l'eau, si vous voulez. On n'a pas de... Théoriquement, on ne peut pas avoir de coupure, sauf cas de force majeure, mais on évite de prendre... on a fait sur Villeneuve-sur-Lot pour qu'il pompait en Lot directement. On a fait des ferroches profondes de secours pour que l'on puisse, malgré tout, pouvoir amener l'eau aux abonnés. C'est comme ça que l'on voit. Mais on est un département rural. On n'a pas les problématiques de la métropole ou de Limoges ou de, comme je disais, de 17. On a la même philosophie, mais on n'a pas les mêmes possibilités ou les mêmes besoins que ces autres collectivités. Merci beaucoup, Madame Lelannic. Monsieur Sueur, je vous propose de continuer ce tour d'horizon des solutions dont je parlais, dont les uns et les autres parmi vous avaient déjà commencé à parler. Mais je vous laisse simplement nous faire part, pour partager avec l'ensemble de nos participants, les grandes mesures, les grandes orientations qui sont prises face à cette double problématique de la sécheresse et du changement climatique en cours. Dans le débat que nous avons, quand j'écoute mes collègues élus, quand j'écoute les intervenants, je dirais qu'il y a quand même quelque part une prise de conscience aujourd'hui par rapport à cette prudence qu'on doit avoir face à l'eau et face à nos ressources. Et j'aime à répéter. Ce qui concerne la nécessaire sobriété dont on parle. Alors, depuis sobriété, le début de ces conférences. Sobriété, c'est une chose. Ouais. C'est une chose. Mais je ne suis pas un éternel optimiste, mais il y a la sobriété, puis il y a aussi le comportement que l'on doit avoir par rapport à la ressource. Et là, je pense qu'il y a un vrai message. Alors, il y a l'approche technique que nous sommes, nous, en tant qu'opérateurs de l'eau, producteurs d'eau. Et là, c'est de la technicité. Ça intéresse peut-être une partie du public, mais le grand public en général cherche, quand il ouvre son robinet, à avoir de l'eau en permanence et ne se soucie pas du reste. Puis après, il y a aussi l'approche didactique. Qu'est-ce que l'on fait? Quel message on porte? Et quel public on vise? Aujourd'hui, on est en situation où, en France, on se pose des questions. C'est la journée mondiale de l'eau, c'est très bien. On vient de vivre une période, enfin, je crois qu'on est en plein dedans, d'ailleurs, une période de crise qui se multiplie et qui ne s'arrête jamais. Et on a eu, à l'approche de l'hiver, une inquiétude en disant, on va nous couper l'électricité.
Et d'un seul coup, tous les habitants, tous les citoyens, tous les consommateurs d'électricité se sont mis à réfléchir comment ils étaient en mode de surconsommation ou de gaspillage. Et je crois que pour l'eau, peut-être que c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, on prend conscience que l'eau n'est pas une denrée durable. Mmh. Elle est effectivement précieuse et qu'on gaspille peut-être de l'eau. Alors nous, techniquement, on travaille. Par exemple, au 17, on investit plus de 18 millions d'euros par an pour justement chercher les fuites et renouveler nos réseaux sur les 25 millions d'euros d'investissement sur nos infrastructures. Et c'est un message important. Cet argent que nous investissons, c'est de l'autofinancement. C'est à chaque fois qu'on a un abonnement, un euro collecté et aussitôt investi pour pouvoir porter ces investissements. Ça, c'est du technique. Après, il y a aussi le travail des humains avec notre régie, avec nos agents, avec notre réseau. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, depuis 70 ans, eu cette intelligence collective des élus qui ont voulu avoir cette interconnexion entre les réseaux et d'avoir cette gestion pluri-réseau. Un outil qui est remarquable, d'ailleurs, y compris au niveau national. Hein. Tant mieux, mais on a cette chance. Moi, j'en suis aujourd'hui l'héritier passager. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment important parce qu'on arrive à gérer les difficultés de différents milieux, qu'ils soient salins, qu'ils soient doucins, des populations différentes. Et en même temps, on essaie de pouvoir distribuer l'eau de façon solidaire et avec une péréquation de même service, quel que soit l'habitant, qu'il soit en milieu urbain ou qu'il soit en milieu rural. Donc ça, c'est une chance. Après, cette interconnexion, dans ce travail, dans ce fonctionnement technique, il y a aussi l'approche que l'on peut avoir. Et là, à ce titre, il faut être assez prudent parce qu'on a cette bipolarité de consommateurs. Il y a le domestique et l'agricole. Et tout à l'heure, je parlais effectivement de nos forages et de nos nappes, où aujourd'hui, on a aussi, là aussi, un héritage où, par pression, par capillarité, on a aujourd'hui des pollutions qui n'auraient pas lieu dans ces eaux aussi souterraines. Ce n'est pas normal de retrouver du nitrate ou des pesticides dans des eaux si profondes. Donc, c'est comme ça. Et effectivement, d'ailleurs, j'entendais donc une réaction en disant, ben oui, on est obligé de mélanger, d'adoucir, d'avoir des meilleures normes pour pouvoir la rendre potable. Mais ça, c'est une situation d'héritage. Dans l'avenir, c'est quoi? C'est de dire à nos consommateurs que nous avons d'avoir une attitude plus responsable, différente, et d'anticiper tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur notre consommation. En 2022, beaucoup de départements ont eu des restrictions, et on a vu, avec un effet curieux, et je le dis très sincèrement sur le département de la Charente-Maritime, que justement sur notre surpopulation estivale, on n'a pas eu de surconsommation. Voire même, on a eu une consommation identique à 2021, alors qu'on avait 10% de population en plus. Ça veut bien dire que le message, quand il est bien porté, qu'il soit porté vers les scolaires, qu'il soit porté vers les plus jeunes, qu'il soit porté vers les professionnels du tourisme, qu'il soit porté vers les collectivités, on arrive justement à avoir une responsabilisation et une responsabilité partagée entre les utilisateurs. Et ça, c'est un vrai travail que nous devons porter. Et il faut faire attention à notre équilibre dans nos actions communes entre le besoin et puis la ressource disponible. Mmh. Et ça, c'est une des communications. Alors nous, on travaille avec une usine de production qui nous permet d'avoir une approche vers le grand public. Et après, on essaie, alors avec des petits messages que l'on peut trouver sur différents éléments, quand on prend sa brosse à dents, ben, on dit quand tu ouvres le robinet, ferme ta bouche. Mais non, c'est le contraire. C'est quand tu ouvres ta bouche, ferme le robinet. Voilà, non, mais ce sont des petits messages qui sont plutôt ludiques et comiques. Mmh. Il n'empêche que derrière, les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils auront une bonne communication. Et inversement, on a aussi une situation où on doit inciter les gens à être plus prudents, de ne pas arroser ses pelouses en plein été. Enfin, ce sont des comportements quotidiens. On a la chance, c'est qu'on travaille aussi main dans la main avec l'État. Et l'État, dans ses messages de prudence, de précaution, amène des restrictions qui sont souvent avec des hiérarchisations différentes suivant les départements, mais qui permet aujourd'hui d'être introductif et d'une prise de conscience. Et puis, le dernier élément que je voulais souligner, ça a été, je sais, je vais être rapide. Je vous en prie. C'est juste pour partager le temps de parole avec vos voisins. C'est un élément de situation géographique. Tous les départements, aujourd'hui, on a des mouvements de population. Et on voit bien qu'il y a une certaine appétence à aller d'un département sur un autre département, suivant son métier, suivant des évolutions familiales, suivant ses projets de travail, et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, l'eau est un élément essentiel. Et comme notre ressource n'est pas extensible, aujourd'hui, on va avoir un frein, une limite à la constructibilité de nos terrains, de rendre, je dirais, opérationnels nos terrains en termes d'accueil de nouvelles populations. Mmh. Et ça, c'est une prise de conscience aussi de solidarité. Et ça, c'est un vrai message que la Charente-Maritime a toujours porté pendant 70 ans, cette solidarité départementale. Alors, il faut que ce soit un bien commun. Ce n'est pas toujours facile à partager, parce que quand on a une source sous son village, on a peut-être plus de facilité que celui qui n'en a pas. Mais c'est aussi le principe fondateur que l'on doit aussi porter pour que cet équilibre de consommation de l'eau puisse se faire. Merci, M. Sueur, pour ces rappels de bon sens.
Et je me permets au passage, oui, je me suis permis tout à l'heure en introduction de rappeler que l'eau était notre premier aliment. Et en vous écoutant, je me disais que toute eau gaspillée pouvait entrer dans le gaspillage alimentaire, littéralement, hein, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est un message qui commence à faire son chemin. Vous m'évoquez aussi, dans vos derniers propos, quelque chose qu'on a déjà évoqué largement dans le cadre de ces différentes éditions de Cyclo, ici à Bordeaux ou à Toulouse. C'est cette espèce de marée du chevelu de tuyaux qui doit s'installer à chaque fois qu'il y a un accroissement de la population. Et tout ça va de manière exponentielle compliquer encore votre équation. Monsieur Janicot, c'est peut-être aussi le cas à Limoges, dont une de vos représentantes tout à l'heure disait qu'effectivement c'était une zone très urbanisée aujourd'hui par rapport à l'ensemble du département, qui attirait une grande partie de la population, avec évidemment une pression anthropique, j'imagine, qui vous touche également. Je vous laisse nous faire part des mesures ou de l'inventaire des solutions envisagées à l'échelle de Limoges. Alors effectivement, alors déjà, c'est le sujet de l'eau, c'est un sujet tellement vaste qu'on pourra en parler toute l'après-midi. En fait, il y a trois sujets. Déjà, il y a le sujet de la gestion de l'eau potable en elle-même. Ensuite, il y a le côté de l'assainissement. Ensuite, il y a le côté de la gestion de l'eau pluviale. Voilà, c'est déjà trois thèmes importants qu'il faut dissocier et qui sont liés pour autant, évidemment. Donc, si j'ai commencé par l'eau potable. L'eau potable, pour nous, on a la chance historiquement que les anciens élus de Limoges, par, je dirais, obligation à une époque où déjà, il y a longtemps, ils se posaient la question, se dire, mais on va peut-être pas pouvoir alimenter toute notre population locale. Donc, il va falloir trouver une solution et mettre en place une infrastructure qui va permettre de pérenniser la vie sur le territoire de Limoges. En l'occurrence, ils ont fait deux réservoirs qui sont vraiment dimensions très importantes et bien surdimensionnées à l'époque. Bien leur en a pris, puisqu'aujourd'hui, on en bénéficie. Et c'est à nous de maîtriser cette ressource qui permet, par gravitation, c'est important pour ceux qui ne maîtrisent pas ce terme, gravitation, c'est de l'eau qui vient naturellement, puisque les ressources sont plutôt sur les hauteurs, plateaux, hauteurs de nord de Limoges. Et c'est important dans le côté économique aujourd'hui, puisque vous savez que souvent, quand on veut de l'eau potable, il faut la pomper. Et quand on la pompe, on a besoin d'énergie. Et quand on a l'énergie, on voit le coût de l'énergie, on voit l'impact aussi que ça peut avoir sur la valeur de l'eau. Donc on a cette chance, nous, d'avoir de limiter ce côté économique. Donc ça, c'est le côté très positif. Ensuite, l'eau potable, c'est aussi, vous avez complètement raison, je vous suis complètement en ce sens sur la question de la livraison de l'eau. Pour la livraison de l'eau, il faut qu'on ait des réseaux de qualité. Et là, en tant que politique, on doit être vraiment responsable. Ce serait tellement facile, parce que pour une population, de mettre des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros sur une rénovation ou l'entretien des réseaux, ça ne se voit pas. Ce n'est pas très politique, ce genre de choses. Et pourtant, ce serait facile de le laisser et de le laisser pour les générations futures avec qui se retrouvent dans les mains avec un réseau complètement obsolète et qui coûterait excessivement cher. Donc on doit être responsable là-dessus et on doit le dire que voilà, ce financement est important. Donc sur Limoges Métropole, on a fait le choix et on l'assume depuis le début de la mandature en se disant on met un budget important sur le thème de l'eau et on le maintient malgré le contexte, ce qui fait vraiment factualiser cette stratégie de l'eau avec 1% de renouvellement du réseau d'eau, ce qui est relativement important pour ceux qui connaissent un peu ce sujet. Les premiers résultats sont d'ailleurs très intéressants puisqu'on était à 88% de rendement. Aujourd'hui, on est déjà en 2 ans à 90%. Évidemment que plus on va avancer, plus le pourcentage sera moindre. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie et c'est plutôt intéressant de voir que ces travaux donnent des résultats déjà positifs. Ce qui est dans les tuyaux, ce qui n'est pas perdu est déjà de l'eau qu'on utilise et qui n'est pas gaspillée. Donc à côté de l'eau potable, nous avons bien sûr l'assainissement. L'assainissement, mes prédécesseurs, c'est très récent. On a une STEP qui est complètement remise en état avec des systèmes aujourd'hui au goût du jour. Et c'est pas rien puisque derrière encore, ça a été de très bons choix puisqu'il y aura du biogaz qui va être conçu par rapport à cette STEP et qui va permettre d'alimenter un bon nombre de Limougeaux d'entreprises. Donc là aussi, on voit que certaines choses peuvent être bénéfiques sur l'énergie, comme on voit aujourd'hui la pression de l'énergie comme elle est actuellement. Donc au niveau de l'assainissement, c'est aussi des réseaux. Nous avons, en tout cas sur Limoges, la ville en elle-même est une ville ancienne avec des réseaux anciens et compliqués en aménagement sous-sol, des réseaux unitaires. Donc unitaires, mais ça veut dire qu'on mélange tout et puis on rejette tout. Alors traité, bien sûr, mais on rejette tout. Et l'idée, c'est déjà de faire un schéma départemental sur l'assainissement, de voir quels vont être les endroits à privilégier pour séparer les réseaux de manière à gérer cette eau massive pluviale, puisqu'on a eu, nous, cette chance au départ de la...
de la mandature d'Aquacé. Je vois Jean-Michel Gilbert qui est présent. On a eu cette chance d'avoir un diagnostic précis sur notre territoire pour connaître, pour bien faire comprendre les enjeux et quelles étaient nos pistes d'action à privilégier pour les années à venir et les décennies futures. Donc aujourd'hui, au niveau de l'assainissement, on va préparer donc ce schéma départemental qui permettra de prioriser les actions pour être le plus efficient possible. Et bien sûr, c'est lié avec l'eau pluviale, puisque l'eau pluviale est un sujet tellement important. À part 2022, on sait que, pour autant, globalement, à quelque chose près, la quantité d'eau est à peu près la même par an, malgré ce qu'on peut ressentir. C'est à peu près la même, sauf 2022. Qui est une année exceptionnelle, déficitaire. Ça, c'est clair. 2023, on peut être inquiet parce qu'on ne part pas sur des bonnes bases. On a vu l'hiver qui s'est passé, donc on ne part pas très bien. Mm-hmm. Pour autant, on voit que ce qu'on constate réellement, on voit ces coulées de boue, on voit ces inondations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des arrivées d'eau massives et des moments de sécheresse massifs. Et ça, cette eau-là, donc il faut la gérer de manière intelligente, comme ça a été fait à un moment donné, où ça paraît dérisoire, mais c'est tellement important... par la remise en place de fossés qui ont été à un moment donné comblés pour des raisons parking ou autres, pour faire du bien-être à nos administrés. Aujourd'hui, on doit avoir cette pédagogie d'expliquer que ces choses-là ont tout leur intérêt et pour alimenter les zones humides. Donc au niveau de l'eau pluviale, on voit par exemple sur Limoges un prochain projet qui va durer sur plusieurs années, le BHNS, bus à haut niveau de service, qui va fondamentalement vraiment changer la mobilité au cœur de Limoges, est complètement intégré la gestion des eaux. Donc on va revégétaliser les centres des artères importantes de la ville, et quand des endroits ce ne sera pas possible, on gérera en souterrain ces eaux-là pour les drainer de manière vraiment efficace et que ça puisse éviter les cours d'eau en aval. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Désimperméabiliser pour... Mais complètement, c'est aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un surcoût, mais le surcoût, si on prend un peu de hauteur, on voit derrière, on voit les assureurs, les conséquences avec les administrés, où ça crée des inondations chez des particuliers, etc. Si on prend de la hauteur, non, c'est un investissement indispensable. Merci beaucoup, Monsieur Janicot. Monsieur Labrousse, vous ne m'en voudrez pas de revenir directement en Gironde, puisque vous nous avez déjà fait part des principaux axes de solutions que vous envisagez au niveau régional. Alors, Madame Gault, après Limoges, et sans faire de parallèle avec la ville de Limoges, puisqu'on a bien compris, toutes choses sont égales. Par ailleurs, vous avez des situations différentes les uns des autres. Je vous laisse nous faire part des grandes mesures qui sont envisagées au niveau de la métropole de Limoges. Et puis, je demanderai ensuite à Madame Gault. De Bordeaux, pardon, décidément, on vous a rebaptisé Toulousaine et Limougeotte en quelques minutes, là, en fait. Mais voilà, vous m'avez compris, c'est à cette heure-ci de la journée qu'on peut provoquer quelques lapsus. Et puis ensuite, nous entendrons Madame Gault sur les solutions envisagées au niveau départemental et surtout cette cohérence qu'il peut y avoir avec des grandes métropoles comme Bordeaux. Oui, non, mais pour connaître votre journée, je comprends. Hein. Merci. Pas de souci. Sur Bordeaux Métropole, moi, ce que j'ai envie de dire, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Sur notre métropole, dans ce mandat, a fait un choix fondamental qui est celui de la gestion publique de l'eau. Nous avons créé une régie publique justement parce qu'elle s'inscrit dans notre politique de transition écologique. Et elle va donc effectivement se traduire par un certain nombre d'actions qui ont été dites jusqu'à maintenant, la désimperméabilisation des sols notamment, lutter contre l'artificialisation. Mais au-delà de ça, je dirais que nos enjeux, nos principes, nos axes fondamentaux reposent sur la sobriété d'abord, sur la réactivité et la solidarité. Alors sobriété, ça a été dit, on agit et nous en tant que régie, on profite aussi de ce passage en gestion publique pour réveiller. Alors on est dans un contexte bien sûr favorable pour le faire, puisqu'on arrête aujourd'hui, on parle de l'eau, qui est un sujet majeur, qui est un enjeu majeur fondamental tous les jours. Donc effectivement, ce passage en régie est pour nous l'occasion de renvoyer, de rappeler, d'acculturer les citoyens à la question de l'eau, à la question de l'usage de l'eau. Et en termes de sobriété, de réinterpeller et de travailler sur une sensibilisation à l'usage de l'eau, à sa consommation de l'eau. Donc là, on est en train de travailler sur une grande campagne qui va être menée en amont de cet été que nous...
qui nous préoccupe un peu quand même. Et donc, une campagne pour dire économisez votre eau, quel est votre usage de l'eau. Alors, ça a été dit pour la brosse à dents, où on va dire passer une minute de moins sous sa douche, c'est 3 à 4 millions pour chaque métropolitain. Si tous les métropolitains passaient une minute de moins sous leur douche, on gagnerait 3 à 4 millions de mètres cubes par an. C'est énorme. Donc voilà, ce sont des messages comme ceux-là qui vont être, être envoyés. C'est aussi, alors, on n'a pas parlé de l'eau industrielle, on a parlé des agriculteurs. Alors, j'ai parlé de l'eau industrielle puisque nous, nous avons un bassin économique important. Donc, nous, nous avons effectivement, nous pouvons distribuer de l'eau industrielle, donc de l'eau qui est moins traitée, qui vient de la Garonne, qui est sur la presqu'île de Bec d'Ambès, et qui délivre donc une vingtaine d'entreprises. Ça, c'est un axe que nous devons continuer, poursuivre, parce que c'est une belle économie, notamment de l'eau de nos nappes. En termes de sobriété et de réactivité. La réactivité, là aussi, le passage en régie, c'est que nous allons doubler notre capacité d'investissement. Et donc là, nous avons un très gros programme de travail sur un schéma de directeur d'eau potable que nous sommes en train de mener. Mais c'est donc revoir toutes les canalisations. Il faut que vous sachiez que sur Bordeaux Métropole, c'est 3200 km de canalisation. C'est énorme. Donc nous avons de quoi faire pour les années à venir. Pardonnez-moi, Madame oui. Cassou-Scott et Madame Gault, mais je voudrais m'assurer que Monsieur Gillet soit encore avec nous, si vous le voulez bien, parce que je sais que Monsieur Gillet avait un autre engagement parlementaire tout de suite après cette intervention. Monsieur Gillet, vous êtes encore avec nous? Oui, je suis encore avec vous et encore juste pour 5 minutes. Bon, bah écoutez, si vous le voulez bien, si vous en êtes d'accord, est-ce qu'on peut passer la parole à Monsieur Gillet, si vous aviez un dernier message à nous proposer, si vous le voulez bien, parce que vous nous avez demandé cette priorité compte tenu de votre agenda, mais je vous laisse intervenir une dernière fois, Monsieur Gillet, si vous le voulez bien. Pardon. Je vous en remercie. Effectivement, j'ai une audition pour la suite sur la mission d'information. Juste pour reprendre au travers des interventions, des différentes interventions, la politique de sobriété, elle est absolument essentielle, effectivement, aujourd'hui. Il faut la mener avec l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que quand j'évoquais, il faut politiser. En même temps, derrière, il faut mener toute une campagne d'information, de communication, pour rendre aussi accessibles des messages à la fois de prévention et de consommation. C'est absolument essentiel. Mais un sujet que je voulais aussi aborder dans le cadre des politiques de l'eau, c'est aussi le système tarifaire aujourd'hui. Il faut se réinterroger sur le système tarifaire, peut-être aller vers des systèmes tarifaires plus différenciés qui permettent d'épauler, d'accompagner les politiques de sobriété avec des premiers mètres cubes qui peuvent être peut-être moins chers, mais au fur et à mesure et en fonction des profils de consommateurs, mettre en place des politiques tarifaires différenciées. C'est un élément aussi du débat. Parce qu'ensuite, derrière l'ensemble des enjeux, quand on parlait par exemple de rénover les réseaux, d'accompagner le renouvellement, il faut aussi qu'on ait des assiettes aujourd'hui de redevances et des assiettes fiscales qui permettent d'accompagner aussi toutes ces politiques. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels bien évidemment les uns et les autres on se penche, mais qui sont des sujets absolument essentiels. Et puis je reviens sur ce que j'indiquais, je conclurai là-dessus. La gestion de l'eau doit se faire aussi au plus près du territoire, grand cycle à l'échelle du comité de bassin, du bassin versant, et ensuite on essaye d'identifier toutes nos interventions, nos politiques à l'échelle des territoires. Et l'eau la plus riche aujourd'hui et la plus précieuse, c'est celle qui est dans les nappes. Dès qu'on la puise, elle se détériore, donc à un moment donné, il faut aussi préserver ces nappes. Donc on voit bien qu'on est dans une complexité. Mais cette complexité, eh bien, il ne faut pas avoir peur de l'aborder avec les uns et les autres dans un souci de responsabilisation et de clarification sur nos interventions publiques. Merci beaucoup, M. Gillet. Merci encore d'avoir bien voulu être avec nous à distance, certes, mais ça nous aura permis de vous entendre et ça vous aura permis de vous exprimer sur ce sujet avec beaucoup d'intérêt pour nous et pour les participants présents. Et je vous souhaite une bonne continuation de cette journée qui est loin d'être terminée pour vous, si je l'ai bien compris. Pardonnez-moi encore une fois, Mme Cassou-Scott. Merci, au revoir. Voilà, vous avez compris, ça fait partie des composantes de ma mission que de distribuer le temps de parole en fonction des disponibilités des uns et des autres. Voilà, je vous laisse continuer. Non, pas de souci. Bah, effectivement, il a repris, je reprendrai quand il parle de la petite tarifaire. Moi, j'évoquais donc la
notre réactivité, notamment par donc ce schéma d'eau potable, d'investissement, de renouvellement des canalisations, de travailler sur les fuites aussi, hein, parce que ça c'est un sujet majeur auquel tous les citoyens, à juste raison, ont grand souci, hein, de ne pas voir l'eau se déverser jusqu'à plus soif. Donc là aussi on a un travail à faire, même si on a un rendement qui est relativement bon sur la métropole, on s'est quand même fixé aussi une marge de progression importante. Et là, la gestion publique de l'eau nous permet effectivement de le travailler sur un temps long, et ça c'est absolument important. La troisième chose, en termes de... Alors, j'ai parlé de l'eau industrielle, donc en termes de réactivité. Et puis aussi, on s'engage dans la GEMAPI. Et pour moi, le fait que Bordeaux Métropole s'engage sur cette taxe GEMAPI qui va se mettre en place en 2024, enfin, c'était quand même nécessaire. Je me tourne vers Guillaume Choisy parce qu'effectivement, lui comme moi, nous étions impatients que ça puisse se faire, parce que c'est effectivement, ça nous permet de mener une politique cohérente, ouais, sur notre territoire. Puis la dernière chose quand même, parce que j'ai parlé de sobriété, de réactivité, mais j'ai aussi parlé de solidarité. Il a été question beaucoup de l'interconnexion. Nous avons une interconnexion avec quelques syndicats autour de nous à Bordeaux Métropole. Mais je pense que sur le département, là, pour le coup, nous avons un gros travail à faire dans ce domaine-là. On a un peu de retard. Et je rejoins d'ailleurs souvent Hervé Gillet sur ce sujet. Moi, je dirais qu'en termes de solidarité, nous avons un exemple de solidarité par notre projet très structurant des champs captants des lots du Médoc, puisqu'il s'agit là non pas d'aller chercher une ressource complémentaire, qu'on s'entende bien là-dessus, mais bien une ressource de substitution, puisque c'est aller chercher 10 millions de mètres cubes d'eau dans une nappe un peu plus superficielle dans le Médoc, afin de desservir non seulement la métropole, à 60% d'ailleurs, mais aussi tous les syndicats qui nous entourent. C'est un projet important, conséquent, très lourd à mener, très long, puisque ça fait presque 20 ans maintenant qu'on est sur ce projet. Donc là, on est sur des conflits d'usage. Et cette notion de solidarité autour de l'eau, elle n'est pas si simple que ça, ouais, à mener. Je peux en témoigner pour ça être sur ce sujet. Ça n'a fait que 20 ans, pas encore 70. Ça fait que 20 ans. Non, mais j'espère quand même que là, nous allons pouvoir le mener pour le concrétiser d'ici 2029. Mais c'est un projet de solidarité de territoire. Et ça nous renvoie effectivement aussi à notre approche de l'eau comme un bien commun. Et donc, de pouvoir ce projet... intéresse 3 Girondins sur 4 quand même, 900 000 habitants. Donc c'est un projet qui est très important et d'intérêt général, d'intérêt pour nos nappes, puisque cette eau que nous irons chercher là, nous n'irons plus la chercher, nous n'irons plus la puiser dans les Hauts-de-Seine. Donc c'est absolument fondamental pour les années à venir. Et donc là, ça nous renvoie effectivement à cette eau au bien commun. Merci pour cette transition aussi, Madame Cassouscott, avec la dimension départementale pour laquelle, Madame Gauche, je vais vous poser la même question sur l'approche de votre collectivité face aux enjeux que nous avons décrits. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une approche de, j'allais dire, uniquement de sécheresse ou de réchauffement climatique. C'est aussi toute cette... connaissance et le fait de porter notre attention sur l'eau depuis des années. Sur les actions nouvelles que nous allons mener, nous allons nous concentrer, alors on a beaucoup parlé des nappes profondes, mais sur ces eaux superficielles, nous allons mener sur l'année 2023 une étude avec le BRGM et le département pour avoir encore plus de connaissances sur ces eaux superficielles et ne pas les garder pour nous, mais les mettre à disposition au niveau des collectivités. La deuxième chose que nous allons faire, nous allons regarder aussi d'un petit peu plus près les pressions que nous avons sur ces eaux superficielles. Et là, nous allons travailler avec notamment la Fédération de pêche, mais pas que, pour voir ces nouvelles pressions qui agissent sur le milieu. Nous continuerons au niveau des réseaux, sur les fuites ou sur l'accompagnement des réseaux. Au niveau des collectivités, il y a une disparité de cette approche. On regarde souvent ce que l'on peut voir de l'extérieur, mais intérieurement, en sous-sol, on ne s'en occupe pas trop. Ça coûte très cher. Et donc, nous allons continuer à accompagner les collectivités sur cet entretien de réseau. Nous continuerons à décliner le schéma départemental de l'eau, même si c'est dommage que le sénateur Gillet ne soit plus là, puisque certains s'interrogent sur le bien fondé des départements dans le cycle de l'eau.
je crois que nous avons démontré que nous avons quand même une capacité d'action et surtout une capacité de mobilisation au niveau des nouveaux intervenants. Donc ça sera certainement quelque chose à clarifier sur le plan législatif. C'est la part des départements dans ce cycle de l'eau et dans les actions de sensibilisation et d'intervention et de financement avec l'Agence de l'eau que nous pouvons mener auprès des collectivités. Je ne reviendrai pas sur la sobriété, elle a été dite. Nous essayons de la porter notamment sur l'agriculture biologique pour des consommations plus, peut-être plus vertueuses à un échelon, un paramètre, un périmètre un petit peu plus petit. En tout cas, nous essayons d'aller là-dessus et je dois dire que ça marche très bien. Un nouveau secteur que nous essayons de développer là aussi au sein des collectivités, c'est l'aménagement territorial. Aujourd'hui, la question de l'eau dans l'investissement ou dans l'aménagement des collectivités, c'est une question qui arrive des fois un peu après la bataille. Et donc, il est important que la question de l'eau dans les documents d'urbanisme prenne une place plus importante de manière à ne pas être en réaction, mais en anticipation. Alors, on a parlé de la végétalisation, de la renaturation, de la désimperméabilisation. Bien sûr, toutes ces questions-là sont nécessaires et dans les SCOT, et dans les PLUI, et dans les PLU, et dans les révisions, enfin tout l'arsenal, nous devons être... Donc ça passe là par une grosse information des collectivités et c'est le sens de la structure, on en a parlé l'autre jour, d'Aménageo, qui est une cellule que nous avons mis en place au niveau du département, qui, je ne crois pas, n'existe pas sous cette forme-là au niveau français, mais qui va sur cet accompagnement financier, connaissance, intervention, et nous allons passer là aussi un cran supérieur. Et je voudrais dire aussi la dernière action, les deux dernières actions, c'est sur la biodiversité. On parle beaucoup de... On ouvre le robinet, comme vous l'avez dit, ça coule comme ça, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais des fois... On fait un raccourci un peu comme ça, mais nous avons besoin de regarder notre nature, regarder tout ce qui est environnemental. Et donc sur Ostens, par exemple, qui est un espace naturel sensible qui a brûlé à 68%, nous allons faire un laboratoire à ciel ouvert pour justement donner toute cette importance à la biodiversité, aux lagunes, aux zones humides, à l'aménagement aussi de notre espace et c'est important. Et le dernier volet, c'est l'acculturation. On parle beaucoup de l'acculturation au risque, mais le manque d'eau est un risque. Donc nous développons notamment des jeux de sensibilisation alors nous avons un jeu Sitting Crise, mais aussi tout ce qui est au niveau des collèges, puisque c'est notre domaine obligatoire, avec les billets courants verts où nous introduisons des actions de sensibilisation avec des partenaires pour justement sur les jeunes populations, mais pas que cette notion de l'eau revienne plutôt à leur esprit que peut-être dans nos générations elle est venue à notre esprit. Merci beaucoup Madame Gau. Monsieur Choisy, comme je vous le proposais tout à l'heure, le temps est venu pour vous de revenir sur ces différentes solutions. Quand j'entendais les différentes prérogatives et mesures potentielles de chacune des collectivités présentes, chacun dans leur territoire, dans leur périmètre géographique et avec leurs spécificités, j'imagine que vous avez peut-être quelques messages en termes de nécessaire coordination de tout ça pour que toutes ces actions soient bien en cohérence avec les enjeux et les objectifs. Et puis, je vous laisserai nous dire peut-être aussi, en passant par le court terme, quelles sont les mesures les plus prioritaires pour vous, compte tenu de la situation telle que nous la connaissons et telle que vous l'avez décrite tout à l'heure. Alors, le bouton vers le haut. Oui. Voilà, c'est parfait. Oui, à la fois, c'est probablement eux qui démontrent les solutions les plus innovantes et les plus porteuses d'espoir sur le territoire. On peut les accompagner, on peut les mettre en exergue, mais on les a vus, les solutions. D'abord, il y a la sobriété. Effectivement, chacun en parle aujourd'hui. Il y a un enjeu de sobriété. Et parfois, même mes équipes me disaient, sur la sobriété, on a quand même fait beaucoup. C'est vrai, sur les 20 dernières années, on a économisé 30% de l'eau. 30% des prélèvements par rapport à 2003, à 2023, c'est 30% d'économie d'eau et dans tous les usages, y compris agricole. Et on est le seul bassin où il y a eu des économies réellement de fait sur le monde agricole. 30%, c'est considérable. Mais
on se dit on arrive à un palier, et non, parce qu'on s'est aperçu effectivement cet été qu'on a, dans, aussi bien dans le milieu rural que dans les milieux urbains, on a à nouveau baissé en termes de consommation, y compris sur l'eau potable, y compris sur l'industrie, dans des secteurs où on pensait qu'on était quasiment au taquet. Et il y a encore des innovations, on le voit, moi j'étais il y a quelques jours dans les hauts plateaux de Corrèze, on a augmenté de 20% le rendement, on était à 55%, on est passé à 75% par une gestion, sans changer beaucoup de tuyaux, mais par la gestion de la pression. Et c'est une des solutions intéressantes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en matière d'eau, on a cette même capacité de résilience en France et dans la région que pour l'énergie ? Mais oui, et d'ailleurs, j'allais y venir. C'est que le moment où on a économisé le plus d'eau sur l'eau, notamment dans les zones urbaines, c'était assez clair. Il y a eu un phénomène, sobriété énergétique, sobriété sur l'eau. Et ça a eu à peu près la même proportion. Et ça, c'est quand ? C'est en octobre, quand on a commencé à parler de sobriété énergétique. Ce n'est pas forcément lié en termes d'action, par contre, c'est lié psychologiquement dans les efforts. Et c'était aussi très vrai dans le monde industriel. C'est vrai dans les collectivités locales, c'est vrai dans l'industrie. Et ça, c'est deux facteurs qui nous font penser qu'on peut encore faire des efforts sur la sobriété. Il faut effectivement transformer l'essai dans ce territoire de rugby. Deuxième chose, c'est effectivement sur l'enjeu de l'innovation, et y compris dans le monde agricole. Sur la sobriété, par exemple, on va expérimenter dans les Landes, du goutte à goutte, en grande culture. Et c'est nouveau. Et ça permet probablement, en tout cas c'est l'espoir, de faire 30% d'économie d'eau. Là aussi, c'est des nouveaux enjeux, des innovations qui sont poussées. Deuxième chose, et deuxième enjeu, sur le mix des solutions, vous savez qu'on a à peu près 1,2 milliard de déficit sur le bassin Adour-Garonne à horizon 2050. Et il n'y a pas une seule solution, mais c'est un mix de solutions qui nous permettra. D'abord, quand une goutte d'eau tombe en montagne, il faut qu'elle descende le plus lentement possible. Et là, grande inquiétude. Parce que le résultat de l'été dernier, c'est qu'aujourd'hui, les éleveurs nous disent on va diminuer de 15 à 20%. Alors, j'ai rien contre la diminution de la consommation de viande. Je pense qu'il faut un équilibre. Mais parfois, la capacité à garder du tourisme, garder aussi des prairies. Vous savez que sur le bassin d'Our-Garonne, on a à peu près 2 millions de prairies naturelles. C'est à peu près un cinquième de la surface agricole utile. 2 millions d'hectares. 2 millions d'hectares. Oui, oui. 2 millions d'hectares de prairies naturelles. C'est à peu près un cinquième de la surface agricole utile. Si on perd ces prairies naturelles, c'est des friches qui vont consommer de l'eau au printemps au lieu de la stocker pour la restituer. C'est aussi une moins bonne résilience face pour vous qui êtes en bas du bassin, c'est aussi une moins bonne résilience des milieux face aux excès d'eau qu'on peut avoir en hiver et les capacités de descendre d'une eau trop rapide. Donc c'est important de garder ces prairies naturelles, c'est important de garder les éleveurs. C'est aujourd'hui sur le bassin entre 5 et 8 milliards de mètres cubes stockés dans ces prairies. Entre 5 et 8 milliards. Vous savez combien on stocke d'eau dans les systèmes de retenue ? 3 milliards. C'est 5 fois plus, entre 3 et 5 fois plus. Sans compter, dit-on, cette capacité de stockage du carbone aussi qu'ont les prairies. Sans compter, effectivement, voilà. Parce que moi j'ai un prisme un peu gros, oui, mais bien il y a sûr, aussi non, d'autres mais... vertus, effectivement, sur le stockage et le piégeage du carbone. Les vertus sur ce connexes, territoire-là. Ouais. Excusez-moi de ne pas être global, mais... Bien sûr, non, mais c'est très intéressant. Oui, tout à fait, M. Cato, effectivement. Donc ça, c'est un enjeu primordial. Donc ça, il ne faut pas le perdre. Le jour où on perd nos éleveurs, on perd cette résilience-là sur les zones humides comme sur les têtes de basse. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on accélère. Il y a un enjeu urbain, vous l'avez dit, c'est la désimperméabilisation des sols. On ne peut pas aménager les territoires. Il faut remettre, et à l'image de Limoges, et je sais que Bordeaux est très en avance aussi là-dessus, et dans le cadre du fonds vert lancé par l'État que gère les agences de l'eau, en quelques mois, on a déjà, enfin même pas, parce que ça fait un mois et demi, on a déjà saturé l'enveloppe. Ça démontre la rapidité avec laquelle les collectivités, après 2022, remettent de la nature dans les villes. Et c'est là aussi un enjeu quantitatif et qualitatif sur les rejets, mais aussi de cadre de vie, parce que je pense que nos villes ne seront plus vivables si elles n'ont pas un minimum d'îlots de fraîcheur dans les villes. Le deuxième enjeu, c'est la reuse. Et là, il faut y aller très vite. Sur la côte et sur les agglomérations, il n'y a plus à tergiverser. Mont-de-Marsan est très en avance ici. On a déjà des collectivités qui ont des projets opérationnels, Royan, mais c'est nécessaire que l'ensemble des villes aillent sur la réutilisation des eaux usées, qu'elles soient grises ou qu'elles soient en sortie de station d'épuration, mais il faut donner un deuxième usage. Il faut qu'une goutte d'eau descende le plus lentement possible de la montagne à la mer, mais il faut aussi qu'elle ait plusieurs usages, hydroélectricité, eau potable et en sortie, effectivement, de pouvoir lui redonner un travail. Et sur tous ces sujets-là, et je cite, on a travaillé sur la désimperméabilisation des sols, sur ces enjeux, on a besoin aussi d'acteurs. Il y a l'expérience de l'OIO qui est basée à Limoges, il y a aussi des expériences du CRMA,
qui ont besoin de travailler avec les collectivités, et je salue la présence de Bruno Le Ménager ici du CRMA, on a besoin de passer ces rotations et d'accompagner les collectivités pour avoir un accélérateur de projet sur les prochaines années, et c'est une urgence. Et puis après, il y a le mix des solutions. C'est-à-dire que sur le bassin d'Haute-Garonne, on s'est fixé 200 millions de mètres cubes pour faire face aux 1,2 milliards, on s'est fixé 250 millions de mètres cubes d'économie d'eau. Et on va y arriver. La preuve, c'est qu'on voit bien que ces dernières semaines sont porteurs d'espoir. Et il faut aussi améliorer l'ensemble des mix des solutions. D'abord, la recharge des nappes, et on le voit, c'est un enjeu primordial. On a quelques expériences dans le Lot-et-Garonne, notamment avec le BRGM, en Haute-Garonne, et puis en Charente aussi. D'une autre façon, ce n'est pas le recharge des nappes, mais c'est l'amélioration du stockage dans la nappe, notamment dans un système karstique, qu'il faut accompagner avec des scientifiques, qu'il faudra évaluer, mais c'est des expérimentations qu'il faut mener. Améliorer aussi le stockage dans les zones humides, développer les zones humides, et là, avec les régions, on a fait 7000 hectares de zones humides supplémentaires en 5 ans. C'est considérable. Voilà, sur 30 000 faits en France, il y en a eu 7000 sur les deux régions. C'est presque un tiers des zones humides recréées sont sur le territoire. Et on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas créé l'entente et une coordination des politiques d'intervention entre la région et l'agence sur ces sujets-là. Et je sais qu'un certain nombre de départements ont aussi des politiques fortes. Je pense à la Gironde, en l'occurrence, en la matière. Il faut aussi développer tout ce qui est lié à l'agroécologie. L'eau stockée dans les sols doit s'améliorer. Et c'est un enjeu aussi qualitatif. C'est ce qui nous permettra d'améliorer la qualité. Et là, les couverts végétaux, le non-labour, les pratiques. Et là, on a déjà un tiers des agriculteurs du bassin qui se sont engagés dans des marges d'agroécologie. Il faut le multiplier, il faut le massifier, notamment sur les territoires en déficit quantitatif et qualitatif. Et puis enfin, et peut-être, c'est l'optimisation des ouvrages existants. Et notamment là, on travaille avec EDF sur deux projets, un à l'Hospitalet et l'autre en Aveyron, qui vont permettre à la Garonne de gagner deux fois 10 millions de mètres cubes avec un système de recharge des retenues. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit de l'hydroélectricité, on remonte l'eau pour que la retenue elle, soit pleine au printemps et puisse améliorer et développer encore plus ce soutien d'étiage. Et là, l'objectif, c'est de passer de 160 millions de mètres cubes en soutien d'étiage aujourd'hui sur le bassin d'Haute-Garonne à 300 millions de mètres cubes d'ici 10 ans. Et ça, c'est un projet important. C'est des projets qu'il va falloir qu'on développe en termes d'investissement. Je sais que c'est cher à Hervé Gillet, qui a été président du SMEAG, et c'est des orientations par sous-bassin qu'on doit mettre en œuvre pour sécuriser effectivement ces volumes, sécuriser aussi les modèles économiques qui vont avec. Il faudrait aussi qu'on ait derrière du développement de la valeur ajoutée produite pour la sécurisation de ces usages. Et puis, là où c'est nécessaire, il faudrait aussi développer de nouveaux ouvrages. Là où on est dans des secteurs en tension, je pense effectivement au nord du bassin, qui est peut-être celui aujourd'hui le plus en tension en quantité et en qualité, mais également d'autres territoires. Demain, il sera difficile d'imaginer dans les prélèvements des rivières, qu'on a 50% déjà des rivières à sec, imaginer un prélèvement dans les rivières pour la sécurisation et le développement de l'irrigation. Je pense que c'est illusoire. Il faut trouver effectivement une sécurisation par des retenues qui soient multi-usages, qui permettent à la fois l'agriculture, l'industrie et l'eau potable, parce qu'on a aussi eu des peurs sur l'eau potable en fin de saison au mois de décembre, cette année, novembre-décembre, sur le bassin d'Haute-Garonne. Donc il faut le réfléchir, la création de retenues qui soient effectivement dans ces dynamiques. Pas de tabou là-dessus. Il faut qu'elles soient portées par les collectivités, c'est nécessaire. On a aujourd'hui, sur les territoires les plus en tension, toutes les structures pour le faire. On n'a pas de problème de gouvernance de l'eau, on n'a pas de problème d'implication des élus. Il faut simplement accélérer sur les solutions. Il faut aussi qu'on ait des cadres dans lesquels on intervient qui permettent d'accélérer ces solutions-là. Il n'y a pas de tabou, effectivement. Si effectivement elles sont réfléchies et acceptées de tous, avec un diagnostic, je pense que personne ne s'y opposera. Mais par contre, il faut les remettre en exergue. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. On a plein d'autres solutions qui arrivent également, hein, zone humide, les sols, l'évolution des pratiques agriculturales. Mais ça peut être une solution sur les bassins sur lesquels on n'en a pas, notamment, je pense, aux têtes de bassins petits chevelus, où c'est une solution qu'il ne faut surtout pas écarter. Merci beaucoup, Guillaume Choisy. Moi, naïvement, je vous demandais tout à l'heure quelles pourraient être les solutions ou les mesures prioritaires. Vous nous avez démontré de manière magistrale elles qu'il s'agit toutes. D'un mix, voilà, et qu'elles sont toutes aussi prioritaires. C'est les unes illusoire que les de penser qu'on peut prioriser. Les solutions sont toutes nécessaires et parfois sont différentes d'un bassin à un autre en termes de proportion. CQFD. Et puis je voudrais témoigner également pour intervenir régulièrement pour ce qui concerne sur d'autres bassins que vous avez insisté un petit peu sur la notion des zones humides. C'était un sujet qu'avait évoqué aussi M. Labrousse parmi les différents leviers possibles et importants. Et je peux témoigner effectivement que votre bassin en particulier, particulièrement en avance, est très sensible à ce sujet qui contribue à ralentir la goutte d'eau, comme vous l'avez très bien expliqué, depuis la montagne jusqu'à la mer. Merci beaucoup pour cette quasi-synthèse, en tout cas un catalogue très exhaustif de tout ce qui nous attend.
Les messages positifs également. Merci d'avoir rappelé que cette résilience était en marche. Et c'est quand même un petit peu réconfortant de savoir qu'on n'est pas forcément, si vous permettez cette expression un peu triviale, à la ramasse. Parce que beaucoup de choses ont déjà été faites dans votre bassin, semble-t-il, et sont déjà, sans jeu de mots, dans les tuyaux. Et nous approchons de la fin de cette conférence. Mais je voudrais surtout ne frustrer personne. Et si l'un ou l'autre d'entre vous souhaitait ajouter quelque chose ou faire part d'un autre point de vigilance ou d'un autre message qui pourrait l'intéresser, n'hésitez pas à me faire signe. Sinon, je vais vous proposer de conclure, hein, si vous le voulez bien. Bon, voilà, c'est ce que j'ai retenu. Si vous partagez cette impression que j'ai, c'est, je me sens un peu plus optimiste en fin de table ronde qu'au début. Et je me rends compte que beaucoup de choses sont en route, beaucoup de choses sont démarrées. Je posais la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui était envisagé. Puis je me rends compte dans vos réponses que c'est bien plus qu'envisagé parce que les choses sont déjà opérationnelles et les choses se font. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais proposer, comme nous le faisons habituellement, à nos participants présents dans cet espace des conférences de bien vouloir vous remercier par quelques applaudissements. Merci à vous pour votre présence et puis je vous souhaite de continuer à échanger, bien sûr, avec les élus présents ici ou le directeur de l'agence de l'eau qui a peut-être encore quelques disponibilités pour répondre à certaines de vos questions. Et puis, je voudrais vous annoncer en deux mots le programme de jeudi. Avant de passer la parole, ne partez pas tout de suite, si vous le voulez bien, pour ceux qui peuvent encore rester avec nous, puisque je voudrais passer la parole à Jean-Claude Lasserre, qui est président de Cyclo et qui souhaitait vous adresser un dernier message pour cette journée, parce que, vous le savez, Cyclo continue demain. Juste une information concernant le programme de demain. Quelles solutions pour adapter les usages et limiter le changement, l'impact du changement climatique sur la ressource? Donc, évidemment, c'est une illustration plus technique de ce que nous venons d'évoquer ensemble. La reuse, la réutilisation des eaux usées traitées, solution pertinente, si oui ou non, à quelle échelle? Et donc, cela a été évoqué aussi ici. Nous reviendrons sur la sécheresse, la sobriété et la qualité de l'eau comme indispensable compromis pour des services d'eau qui sont en permanence en alerte aujourd'hui. Et nous évoquerons également nous reviendrons sur les différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui de manière transversale sur les différentes thématiques que nous évoquerons demain. Voilà, Jean-Claude, pardon, je vous laisse la parole pour terminer. Ah, alors, le micro, voilà, c'est parti. Ça arrive. Merci d'avoir, mesdames et messieurs, participé à cette plénière. Il était important pour nous, dans le local, d'associer donc le global. Donc, je voulais remercier aussi Marie-Hélène Aubert, qui nous a fait la gentillesse d'intervenir en direct de New York. Elle participe à la conférence de l'eau. Donc ça, pour nous, c'est important, puisque du global, il ne faut pas oublier le national, il ne faut pas oublier le local. Et ces trois s'enchaînent, quel que soit dans l'ordre. Que ce soit le local d'abord pour le global et le global pour le local. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette plénière. Rendez-vous demain. Il y a encore beaucoup de belles choses à écouter, à débattre et à essayer de faire quelque chose pour cette ressource qui est toujours aussi essentielle. Merci beaucoup à tous. Merci et bonne fin de journée à toutes et tous. 3, 2, 1.